La mer du Nord, c'est une excursion importante pour certains Namurois plus défavorisés. Tout un groupe de jeunes et de moins jeunes sont ici aujourd'hui, emmenés par l'échevinat de la cohésion sociale. Et donc, ces journées trempettes au bord de l'eau. Et d'ailleurs, j'y vais. La mer, c'est ce qui, enfin, je ne vais pas philosopher, mais c'est ce qui est la plus grande partie de notre planète. Et donc, dès qu'on la voit, eh bien, il y a une sensation particulière. La mer, pour moi, c'est beaucoup d'eau salée. Ah, moi, j'adore la mer. Si je pouvais habiter ici, moi, je serais contente. Franchement, non, j'adore. J'ai toujours adoré la mer. Ça m'apporte beaucoup. Ça me ressource, vraiment. C'est très chouette. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants. On fait partie de la cellule d'égalité des chances et donc du service de cohésion sociale. Et dans cette cellule d'égalité des chances, il y a une équipe d'insertion par le sport. Et cette équipe va à la rencontre, des quartiers dits défavorisés. Voilà. Et donc, on leur apporte un accès au sport, à l'activité physique, à la santé, etc. Moi, pour l'instant, je suis à Vali, donc j'ai ça pour m'occuper, aller passer une journée à la mer, tout ça. C'est une manière aussi de sortir de son isolement ? Tout à fait. Ça, c'est une manière de sortir de l'isolement. Depuis 7 ans, je suis à Vali. Vous avez quoi comme problème de santé ? Dépression chronique. Younes, parle-moi un petit peu de la mer. C'est la mer, c'est bien. C'est quelque chose pour s'amuser et voilà. On peut s'amuser et parfois ça peut être dangereux, mais voilà. Voilà, je suis avec mes amis et ça c'est ce qui compte. Et aujourd'hui ça se passe comment ? Super bien. Qu'est-ce que vous faites ? On va dans l'eau, on fait de la pétanque, on fait du volet. Et tu es avec qui, toi, aujourd'hui ? On est avec un stage, avec des animateurs. Des activités comme la mer, c'est pas forcément des activités qu'ils font assez souvent. Parfois, c'est assez onéreux, rien que les trajets ou quoi, ou les parents n'ont pas le temps. Donc, je pense que ça permet aussi de découvrir quelque chose d'autre, quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Je crois que ce côté un peu, les gens qui n'ont pas l'occasion de sortir, bah, il faut un peu dépasser cette idée et prendre plutôt le goût du plaisir simple et partager un moment convivial. Oh, c'est super parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de venir à la mer, donc c'est intéressant qu'on puisse venir comme ça. Ouais, super. On peut soit rester ici avec tout le monde ou alors aller en ville. Donc on vient avec des personnes, mais si on veut, on peut les quitter, mais c'est quand même sympa de rester pour s'amuser avec eux. Alors moi, dans ma vie, je ne fais rien pour le moment. Je suis chez moi, je cherche du boulot. C'est pas toujours évident. En quoi est-ce que la mer te fait du bien ? Ben, ça me change un peu les idées que d'être chez soi, tout le temps être enfermé, ben, ça me fait un peu respirer à l'extérieur. Qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils viennent
d'horizons différents, on a toujours la même sensation. Qu'on soit assis sur un transat de luxe ou sur le sable, peu importe, on a cette sensation de découvrir la mer, quoi. Entre guillemets, la mer porteuse, quoi, de la terre. Voilà, la mer, c'est très important. Ses oiseaux blancs et ses maisons liées. La mer, elle est la bergée, le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer. Berce mon père pour la vie.